Le ministre délégué en charge des sports et du cadre vie, Adjei Sillametch, a reçu en audience Emer Sefaé, vainqueur de la CAN 2023 en tant que coach intérimaire des éléphants de Côte d'Ivoire. Le mardi 12 mars dernier, après avoir livré, la veille, la liste des éléphants pour la fenêtre internationale du premier trimestre de 2024, Emer Sefaé a rendu visite au ministre en charge des sports et du cadre de vie. Au menu de cette audience, des échanges et surtout les félicitations de M. Sillametch à l'endroit de l'ex-international ivoirien et à toute l'équipe qui a permis à Côte d'Ivoire de célébrer sa troisième étoile continentale. Lundi dernier, Emer Sefaé a communiqué une liste de 25 éléphants qui seront en regroupement dans quelques jours en France pour la fenêtre FIFA mars 2024 où ils affronteront un match amical les Guépards du Bénin à Amiens, ensuite l'Uruguay respectivement à Amiens le 23 mars et le 26 mars 2024 à Lens. Elio Vahi, né le 2 janvier 2003 à Courcouronnes en France, est un footballeur français qui évolue au poste d'attaquant au RC Lens. Elio Vahi pourrait opter pour la Côte d'Ivoire. En avril 2022, dans les colonnes de Al-Ettihad, le jeune attaquant refusait de se fermer quelconque porte internationale. Didier Drogba, exemple pour les Ivoiriens et les attaquants. Pour l'instant, c'est l'équipe de France avant tout, mais je ne ferme pas les autres portes. On verra comment ma carrière évolue et on fera les choix qu'il faut, avait-il affirmé. Appuyé par Jean-Louis Gasset, Idriss Diallo avait demandé à Vahi de jouer pour la Côte d'Ivoire. Jean-Louis Gasset avait même promis une place de titulaire sur le front de l'attaque des éléphants au buteur de Lens. Après avoir demandé un temps de réflexion, Elio Vahi a finalement décliné la proposition de la Côte d'Ivoire. Devenu un pilier des espoirs français, le Lensois est décidé à réussir une belle carrière avec les Bleus à court terme.